L'échelle de Jacob, c'est parti les sons ça qui nous balle ensemble. Je dis à qui c'est lundi 23 mai. Bien avant même que nous rentrions dans la prochaine étude que nous devons jeudi, nous prions bon Dieu. C'est pour nous bénir, c'est pour nous louer, c'est pour nous exalter. De maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui est dans le ciel là. Merci pour une nouvelle opportunité qui nous donne pour nous capables d'étudier parole. Tandis que jeudi, nous allons louer une autre portion de cette étude semaine. Abandon au Père des cieux qui est capable d'ouvrir l'intelligence pour nous comprendre. Et mettez en application parole ou bénis-nous, sauvez-nous, dirigez-nous, conduisez-nous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, Pape Jean 6, je vous remercie aux amis pour la qualité et l'effort que vous consentissez chaque jour pour capable étudier, étudier dans l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois, ou bien vous finissez d'étudier, moi, toujours un plaisir, encourager pour partager les sciences avec entourage pour faciliter plus de monde capable d'étudier, étudier dans l'école du sabbat. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vite à faire ça. Et encourager l'autre monde fait même bien ensemble avec vous. Ce matin, nous avons leçon 9, et thème leçon c'est Jacob, les yeux porteurs. C'est thème que nous avons développé ensemble pendant toute semaine. Verset nous pour nous mémoriser. Genèse chapitre 27, verset 36. Ésaü dit: Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon doigt d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit: N'as-tu point de réservé de bénédiction pour moi? Ésaü dit: Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon doigt d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit: N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Genèse 27, verset 36, qui c'est verset dont on parle toute semaine, pour nous capables de mémoriser ensemble. L'échelle de Jacob, c'est le thème que nous parlons ensemble jeudi. Notre roi et la partie de son hier et Jacob et Ésaü, notre roi de Monsieur Sayo, rivalité qui était existée entre eux. Rivalité a les sorti non et causé droit d'aînesse et causé bénédiction que bon Dieu te baille ensemble avec Jacob au lieu de Ésaü. Et dès que Ésaü lui-même, notre roi, dès que Ésaü te apprend que Jacob te recevoir bénédiction qui papa t'a bali a, il comprend qu'il t'est trompé et il t'est supplanté pas frère là, c'est-à-dire frère te prend place li. Frère a trompé et frère a vinn prend place, c'est-à-dire bénédiction qui te revient ensemble avec lui-même, c'est frère qui bénéficie. Et Noé, Ésaü te voulait tuer Jacob. Et qui s'est pas passé Rebecca? Eh bien, tu commencé par inquiéter Rebecca, c'est maman de monsieur yo mais qui était plus remé et Jacob, il était donc trouvé lui dans l'inquiétude, elle te voulait empêcher crime ça produit. Il était voulait empêcher que et bien puis grand garçon hein, touyer puis petit a et bien qu'est-ce qu'il fait et il prend Isaac, il fait Isaac maman, il fait Isaac aller la caille et il fait et Jacob aller la caille et bien frère lui aller la caille grand-parents lui et bien sous chemin exil là bon Dieu t'a rencontré avec Jacob dans un rêve côté il était trouvé lui dans un endroit qui aurait Bethel qui c'est la maison de Dieu. Et là, il t'a fait un vœu avec l'Éternel. Pendant qu'il t'a parlé, eh bien, il est sur route là, il va le rencontrer ensemble avec bon Dieu. Maintenant, nous allons aller dans Genèse, chapitre 28. Nous allons verset 10 pour nous venir dans verset 22. Nous allons essayer de comparer le texte avec Genèse, chapitre 11, verset 1 à 9. Mais qui ça, Bethel? Eh bien, il est différent de Babel. Qui leçon que nous sommes capables de tirer de l'expérience Jacob à Bethel par opposition de ça qui est arrivé à Babel? Pour notre relation ensemble avec bon Dieu. On allait ensemble dans Genèse chapitre 28, n'a appelé verset 10 et puis n'a privé le verset 22. On regarde ensemble parole. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu t'es couché, je la donnerai à toi, et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité.
Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Kounala, nous allons aller dans Genèse chapitre 11, n'appli verset 1er, pour nous arriver dans verset 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient. Ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersera sur la face de toute la terre. Et bien, dans le rêve là, Jacob voit qu'il a une échelle extraordinaire qui reliait terre ensemble avec bon Dieu. Même verbe en hébreu qui c'est natsav, qui employait, il fait référence avec échelle qui dressait. Et bien, c'est Seigneur même. Et bien. Et le Seigneur qui s'était au-dessus, c'est comme si on t'a dit, échelle là, c'est bon Dieu même. C'est-à-dire, échelle là avec bon Dieu, nous t'a dit, c'est même bagaille. L'idée, c'est ça le traduit. Échelle là, liée avec tentative d'atteindre le ciel à Babel. Nous rappelons-nous, et histoire qui nous saute là, dans Genèse chapitre 1, verset 1, Genèse 11, verset 1 à 9, et bien, les hommes ont un plan après déluge là, pour être capable de bâtir une ville et bâtir un tour qui a touché dans le ciel là. Eh bien, nous voyons échelle là liée avec tentative d'atteindre le ciel à Babel. Comme l'entour de Babel, l'échelle atteint la porte du ciel. Mais tandis que l'entour de Babel, lui représentait l'effort que les hommes ont fait pour être capable de monter et pour atteindre bon Dieu. Tandis que l'échelle Bethel, là, ça que nous lisons dans Genèse 28, verset 10 à 22, lui souligne que l'accès que nous avons besoin à Dieu, est possible que si bon Dieu descende vers nous-mêmes. Ce n'est pas avec effort par nous non, que nous sommes capables de priver. Mais nous priver avec volonté bon Dieu. C'est-à-dire, si bon Dieu lui-même est d'accord dans volonté, descend, viens, joindre nous. Et bien, quant à la pierre sur laquelle Jacob lui-même était posé tête l'IA, et il était fait rêve l'IA, il vient devenir un symbole de Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Ça qui fait référence avec temple, avec sanctuaire, et bien, qui est le centre de l'activité salvatrice de Dieu en faveur de l'humanité. Pourtant, nous voyons Jacob. Pas limité au spirituel et au mystique, son expression d'adoration et son sentiment de stupeur concernant eh bien, ça qui est arrivé. C'est-à-dire, il était voulu répondre de manière concrète et extérieure avec sa bonté de faire pour lui. Il devait bailler une réponse. Et nous, comme ça, Jacob a décidé de bailler un dixième avec bon Dieu. Non pour capable obtenir bénédiction bon Dieu, mais comme une réponse reconnaissante de don bon Dieu, de ça que bon Dieu a déjà fait pour lui. Parce que nous rappelons, nous, Jacob te fait un vœu avec l'Éternel et dit l'Éternel, je souhaite que le voyage là réussisse et je souhaite que je retourne la caille en bien, en paix
eh bien, m'a ba ou dim. Eh bien, nan sa ki moi-même, moi rentré. Eh bien, nous, là encore, nous voyons que l'idée de la dim, l'y présenter bien avant l'existence de la nation d'Israël. C'est-à-dire, c'est pas et nation Israël là, non, c'est pas les nations Israël là, vin prendre naissance. Eh bien, nous, dim nan vin prendre naissance. Dim nan, il était déjà existé bien avant même que peuple ça, il était venu à l'existence. Si nous avons Genèse 28, verset 22, Noé dit non, li prend sous toute sa bonne balle. C'est ça Jacob dit sous toute sa bonne du balle moi m'a balle dit. Et qui point important qu'il doit retirer de ça que Jacob dit dans texte ça concernant Dimna et sous ça Dimna lui-même lié sur importance que lui-même li gagne. Et ben l'échelle de Jacob, et ben nous à travers le son ça, Noé Jacob lui-même il était reconnaissant envers bon Dieu. Il était bâti un hôtel ou bien une maison pour qu'il capable adorer bon Dieu pour être capable faire volonté bon Dieu parce que bon Dieu fait des choses extraordinaires pour lui. Mais nous la tour de Babel c'est différent. Nous avons essayé avec force par eux pour capable présenter rivière côte bon Dieu. Nous avec Jacob c'est bon Dieu qui descend venir de Jacob. Mais nous et les habitants de Babel et ben il t'a fait il faut même pour capable rivière. Mais nous pas besoin capable rivière gain accès ensemble avec bon Dieu rivière dans ciel là. Ben écoute bon Dieu si bon Dieu lui-même il va descendre venir jeune et ça fait vraiment ensemble avec vous si bon comportement pour nous adopter à travers le son que nous étudions aujourd'hui à si adopter attitude ben comportement Jacob là non et comportement mon yo qui ta vivre dans époque et bien la tour de Babel ou bien dans époque et bien mon yo te voulait construire ville ça ou bien tout ça pour être capable toucher dans ciel là et nous encore et avec et Jacob était fidèle dans dîner avec au frère et il te dit l'Éternel et bien souvent même qui voyage à lui-même lui réaliser non seulement wa bon Dieu m'a servi mais il te dit bon Dieu m'a ba au dîme sur tout ça que ou même ou ba moi. L'échelle de Jacob c'était parti les sons qu'on d'après ensemble aujourd'hui qui c'est lundi 22 mai. Finalement même que nous aller pour nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Et d'en chaque jour nous capable mettre parole en application vivre ensemble avec vous. Et on va venir nous battre tout nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Nous baguons mérite, mais nous prions comme ça de Jésus. Amen. Deuxième chose de passe, très bonne journée. Bonne étude. Et que Dieu vous bénisse.